À la fin du 8e siècle, Charlemagne, roi des Francs, est au sommet de sa puissance. Il est sur le point d'être couronné empereur d'Occident, chose qu'il fera à Rome en 800. Il gouverne sur un immense territoire ici représenté en vert. En Orient, le monde musulman est sous l'égide du calife abbasside Harun al-Rashid. Son empire s'étend sur un vaste territoire représenté ici en noir. Ces deux grandes puissances vont être amenées à se rapprocher. Mais pourquoi? La réponse se trouve dans cette célèbre citation « Les ennemis de mes ennemis sont mes amis ». En effet, Charlemagne avait pour ennemis les Omeyyades de Cordoue qui menaçaient le sud de la France. Ces mêmes Omeyyades étaient aussi les ennemis d'Harun al-Rashid car ils contestaient son droit à être calife. L'autre ennemi en commun, c'est l'Empire byzantin. Byzance ne reconnaît pas Charlemagne comme étant l'empereur d'Occident, et de l'autre côté, la progression du califat d'Harun al-Rashid menace Byzance. Charlemagne est le premier à engager un rapprochement. En 797, il envoie une ambassade à Bagdad. Ses trois ambassadeurs, Lanfrid, Sigismond et Isaac, un juif qui maîtrise la langue arabe et qui peut ainsi échanger avec le calife, sont reçus à Bagdad, par le calife. 4 ans plus tard, c'est au tour d'Harun al-Rashid de renvoyer l'ambassade à Charlemagne. Ses ambassadeurs arrivent avec de somptueux cadeaux, de l'or, des tissus, du parfum et même une magnifique horloge en bronze. Mais ces cadeaux ne sont rien comparés à l'extraordinaire présent que Charlemagne voit arriver devant lui. Vous avez une idée? Réfléchissez bien. Qu'est-ce que le calife aurait pu offrir de si extraordinaire à Charlemagne? Et n'hésitez pas à commenter ce à quoi vous aviez pensé. Et oui, vous n'hallucinez pas. Le calife a bien offert un éléphant à Charlemagne. Incroyable, non? Encore plus spectaculaire puisqu'il s'agit d'un éléphant albinos. Charlemagne n'en croit d'ailleurs pas ses yeux, et pourtant, il a bien un éléphant devant lui. Animal qu'il n'avait alors sans doute jamais vu jusque-là. L'éléphant avait été baptisé Aboul Abbas, ce qui signifie le père d'Abbas en arabe. Face à la force surprenante de cet animal, Charlemagne décide alors de l'utiliser sur le champ de bataille. Mais l'éléphant a du mal à s'adapter au climat européen. Et après de longues années sans doute difficiles pour lui, Aboul Abbas attrape un coup de froid après une baignade dans le Rhin. Il meurt en 810 des suites d'une pneumonie. Charlemagne perd ainsi le précieux cadeau du calife Harun, mort en 809. En 814, c'est à Charlemagne de quitter ce monde. Aujourd'hui, les défenses de cet étonnant cadeau diplomatique sont conservées dans la cathédrale d'Aix-la-Chapelle, sous la forme d'un olifant. Au-delà d'être un spectaculaire cadeau, cet éléphant reste surtout le symbole de l'un des plus vieux rapprochements entre chrétiens occidentaux et musulmans. Moins de 3 siècles plus tard, ce rapprochement disparaît pour laisser place aux croisades.